Bonjour tout le monde, ici Atland. On se retrouve sur ce nouvel épisode de Feed the Beast. Donc, où nous allons aujourd'hui construire quelque chose là, ici, derrière moi. Donc, quelque chose qui va vous faciliter là, grandement la vie par la suite. Et puis, ça y est, je sais déjà plus ce que je voulais dire. Donc, quelque chose qui vous facilitera grandement la vie par la suite. Donc, vous verrez ça dans quelques instants. Avant ça, nous allons juste regarder donc notre système de stockage. Donc, vous voyez, moi, j'ai rajouté 4 disquettes en plus. Et puis, donc, j'ai déjà 2 disquettes de pleine et une disquette pratiquement pleine. Donc, si on clique dessus, hop, donc j'en ai 2 pleines et une, il reste plus grand-chose. Hein. Et une autre qui a déjà commencé parce que des fois, c'est comme je le disais, malgré qu'ici il y a de la place, par contre, si c'est des nouveaux types d'objets ou des types d'objets dont. Non, si c'est des nouveaux types d'objets, ça se mettra à côté, ainsi de suite. Bon, bref, c'est pas grave. Mais ceci est bien plein. Et comment je l'ai rempli? Je l'ai rempli avec une bonne carrière, donc en lançant une carrière, et tout simplement. Et puis finalement, ça m'a. Alors, une carrière où j'ai pas fait de tri dans la carrière. Donc, c'est-à-dire, regardez toute la cobble que j'ai. 54 266 cobble. Donc, 54K de cobble. 7200 de terre. Bon, 3400 et quelques... 3400, j'arrive pas à lire le reste du chiffre de bois. Parce que oui, vous vous souvenez, moi, dans mon sous-sol, il y a du bois. Mais regardez en charbon. 2000 de charbon, 1700 de fer, 1200 de redstone... 900 de gravier, 500 de thym, d'étain, 400 de copper, 300 de silex, 200 d'or. Alors il y en a quand même pas beaucoup par rapport au fer. Hein. Donc du lapis, du silver, du lead, du monazite, ainsi de suite. Est-ce que j'ai du... T'as du ferrous, regardez-moi ça le ferrous. 27 seulement, 20 diamants, 20 diamants sur une carrière. Ça oui, hein. Je suis pas dans un monde où il y a beaucoup de minerais en sous-sol, donc 20 diamants dans une carrière, bon malheureusement on n'en a que 20. Mais regardez-moi ça, le ferrou c'est pratiquement aussi rare que le diamant quoi. Donc bon, du quartz du de Certus 199, ça devrait être suffisant quand même pour ce que je veux. 59 déjà en poudre, voilà. Donc bon voilà, ça c'était juste pour montrer en faisant tourner une carrière. Ouah, excusez-moi, petite fatigue, petit bâillement, je suis encore un peu fatigué. J'en étais où? Ah oui, en ayant lancé donc une carrière et tout ça, donc carrière qui se trouve quelque part par là-bas. Donc ça a quand même encore bien stocké quoi. Donc j'avais fait des disquettes en plus parce que j'avais peur. Étant donné que je ne filtrais pas la cobble et la terre, je me suis dit je vais quand même en garder. Il va m'en falloir certainement un peu beaucoup hein, parce que je compte quand même construire la base. Je compte quand même construire l'atelier et peut-être différentes choses encore à côté. Donc voilà. Mais les prochaines carrières, je filtrerai la... tout ce qui est terre, gravier et cobble, je le stockerai plus, je le dégagerai, je le mettrai de côté. Donc en sortie de la carrière, je ferai un filtre pour que la cobble dégage directement. Donc voilà, donc j'ai aussi déplacé, donc je ne suis plus ici. J'ai déplacé tout ceci ici. Et aujourd'hui, ce que l'on va faire, on va faire quelque chose qui va nous faciliter grandement la vie. Ce sont des crafts automatiques. Donc ça sera une machine, une machine à craft qui pourra nous crafter les objets tout seul. Les objets qu'on désire, ils se crafteront tout seul. Bon, il y aura tout un truc à faire hein, avant qu'un objet soit crafté jusqu'au bout. Mais bon, vous verrez, c'est pas compliqué. Et on va même relier pour pouvoir crafter automatiquement, il nous faut des ressources, genre l'or, le fer et tout ça, des lagos. Et puis donc, on va relier des machines. Et faudra que je fasse le test, ça je ferai le test, peut-être avec vous ou pas. Normalement, ces machines-là aussi sont reliables, donc ça serait bien parce qu'il y a des choses qui se fabriquent avec ces machines. Donc voilà, donc moi je vais essayer un peu de me préparer ça, parce qu'il me faut du matos.
Donc bon, ça il va m'en falloir pas mal. Donc il va me falloir pas mal de ça. Bah, normalement, il me reste hein, des circuits. Là j'en ai 11. Et normalement de la dernière fois, ouais, il m'en reste encore 14. En diamant, j'en avais pas beaucoup, beaucoup bouffé. Il m'en reste 14. Donc ça devrait peut-être aller. Donc voilà, donc je vais essayer de préparer un peu le matériel. Et puis donc on se voit tout à l'heure. Nous revoilà donc pour le début en fait. On va faire ça étape par étape. Hein. Donc moi en fait, j'ai pas encore tout préparé. Je me suis juste fait donc je me suis fait deux bus d'import précis. Ah, il va falloir que je me fasse quelques câbles. Deux bus d'import précis. Des interfaces ME, donc je n'ai fait 4, donc 2 parce que je vais en avoir besoin de 2 et j'en ai eu besoin de 2 pour faire les bus d'import. Alors je me souviens dans l'ancien, dans le dernier épisode, je parlais beaucoup de bus d'export parce que j'avais en tête les bus d'export, donc qui de la machine exporte vers le système. En fait, non, c'est les bus d'import, donc c'est le système qui importe de l'Ender Chest par exemple, qui importe les objets. Donc voilà, donc je m'étais juste trompé sur mes mots, sauf sans faire exprès dans les crafts, j'ai fait les bons crafts. Donc malgré que moi je parlais tout le temps de bus d'export, j'avais crafté le bus d'import. Donc j'ai fait ça. Donc on va construire encore juste une machine. Donc ça j'ai fait les crafts parce que vous avez vu dans le dernier épisode les crafts de ceci. Donc par contre là je vais faire deux choses. On va faire un encodeur de modèles. Et on va faire des modèles, donc des modèles vides, ME. Donc l'encodeur de modèles, donc c'est donc une table de craft. Ok, donc ça, hop, ça, on va faire comme ça. Je vais vous expliquer à quoi ça sert. Hein. Donc encodeur de modèles, c'était la table de craft. Ah bah oui, bah j'ai même pas fait la table de craft. Donc voilà, donc la table de craft. Ceci, donc ça, il va falloir crafter beaucoup. On va en avoir pas mal besoin, c'est juste dommage, j'ai pas encore le truc, ce que je suis en train de faire. Bon, je parle nouveau de trop là. Et ça y est, j'ai oublié le craft, ça, ok, et entouré de fer. Et donc ça aussi, par le fer, l'or et tout ça, je vais en avoir beaucoup. C'est pour ça que j'ai décidé de commencer par faire ceci. Donc, pour vous montrer déjà le principe de ce qui va arriver et qui va nous faciliter aussi les choses. Et qu'est-ce que j'avais dit? Le modèle vide, le modèle vide. Ah, il faudra que je retombe dans le Nether pour chercher du. Est-ce que j'ai de la glowstone? C'est pas ce sac. C'est. Waouh! Ça, range-moi un peu dans l'ordre. Donc, ça, il va falloir que je retourne dans le Nether chercher de la poudre de glowstone. Donc, et le craft, c'était. Un quartz. De la glowstone, je crois. Du fer et de verre. Ouais. Donc là, il va m'en falloir. Hop, on va faire comme ça. On va. Ah merde, je peux pas. J'en aurais. Ah, il me faut du. Deux, ça ne suffira pas. Il m'en faut minimum déjà 4 pour faire ce que je veux. Déjà minimum 4. La glowstone j'ai, c'est le fer qui manque. Bon, bah c'est pas grave pour l'instant, on va vous montrer ça comme ça. Ah oui, il me faut un peu de câble ME, ça c'est quoi la recette encore? Donc la poudre de flux c'est du verre, donc ça j'en ai. On va se faire quelques câbles ME encore. Donc 3, 6, 9. Hop, voilà. Histoire d'en avoir un peu. Donc voilà, donc nous allons en fait relier, nous allons de notre salle de machine. Donc j'ai pas besoin de déplacer les machines. Par contre là, j'ai dû alimenter sur le côté. Il faudra ouais, je verrai par la suite, mais là pour l'instant on va faire comme ça. Donc là on met, parce que je vais utiliser pour l'instant le macérateur et le four. Vous comprendrez très vite pourquoi. Et puis hop, et là il faut alors des câbles.
Donc il faut relier tout ça à notre système qui est là. Alors, il faut comme ça va être. Ah, quoique, pas forcément besoin. Là, il faut juste que, à la rigueur, je passe, je remonte, parce que là, derrière, ce sera un mur, ici, c'est derrière les murs. Non, on va voir, on va déjà. Donc, il faut relier ceci et ceci. Voilà. Tac. 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 Voilà, on les relie ensemble. Et ce qu'il faut, c'est en dessous, donc les bus d'import. Donc, ça sera pour sortir, récupérer ce que... ceux qu'ils nous ont... hop, descend. Ah, un peu plus. Ça sera pour récupérer ce que l'on va... ce qui sort du four et ce qui sort du macérator. Voilà, comme ça. Donc nous... on va relier par en haut. Tac, tac, tac. Voilà, hop. Donc là... il est là. Voilà. Et celui-là, on va par le milieu comme ça. T'arrives, t'arrives pas. Non. C'est pas ça. T'arrives pas. Voilà. Je vais te récupérer quand même. Oh. Donc, donc là nous avons relié ça. Et puis il suffit de faire courir maintenant le câble jusqu'au système. Et bien sûr 5, ça ne suffira pas. Donc hop. Voilà, donc il faut encore des câbles en plus. Bien là le petit cube. Allez. Toc. Et hop. Voilà. C'est ce qu'il y a, c'est que purée, ça n'en fabrique pas beaucoup. Hein. C'est pas comme les câbles électriques où on en fabrique par 8, par 4. Quoique par 4. Hein. Ceux-là, ils se fabriquent par 4. Finalement, c'est, c'est la même chose. Hop. Voilà, c'est relié. Donc nos machines sont reliées. Si d'ailleurs, si je regarde là-dedans, donc on voit qu'on est relié à 2 de plus ici et les deux. Je sais même plus. Ça y est, je sais plus comment ils s'appellent. Les deux interfaces ME, voilà. Donc là, nous avons crafté donc un encodeur de modèle. Donc l'encodeur de modèle n'a pas besoin d'être relié, d'ailleurs il ne se relie pas au truc, il n'a pas besoin de choses pour fonctionner. Donc on peut le mettre tout simplement ici pour l'instant. Vous voyez, là, ici, c'est comme ça. Donc, j'ai fait deux disquettes. Oh, j'ai pas fait deux disquettes. C'est comment encore la disquette maintenant? J'ai oublié le craft. Ça, ok. Alors, tu vas me faire... Tac, 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 t'es où? Le quartz, ici. Le fer, ici. Je crois du verre, ici. Et de la glowstone, ici. Voilà. On n'avait pas fait les deux. Non. Donc, on prend un modèle de disquette. Et là, on dit donc que, par exemple, ça sera justement pour faire du fer. Donc avec un minerai de fer, j'obtiens, par contre comme il ne me propose pas tout de suite, il faut que je prenne, donc un minerai de fer me donne, j'ai pas de poudre de fer, bon il va falloir aller à la machine pour en faire minimum un, c'est histoire de pouvoir, donc, hop, un minerai de fer. Bon, le minerai de fer en donne 2, hein, mais bon, dans le craft, on va lui dire en fait, on va lui dire que
un minerai de fer. Donc qu'avec du minerai de fer, on obtient de l'iron dust, donc de la poudre de fer. On encode la disquette. Voilà. Donc ça, ce modèle s'appelle, vous voyez, craft une poudre de fer avec un minerai de fer. Donc là, j'en ai une. Et là, maintenant, on va dire que avec une poudre de fer, hop, on efface ça, on obtient un lingot de fer et on encode. Donc là, on a un modèle qui nous dit que qu'on craft un lingot de fer avec une poudre de fer. Et là, ceci, il suffit maintenant d'aller le mettre dans ces interfaces. Donc vous voyez, ici, on peut en mettre plusieurs. Donc c'est bien, on va faire pareil avec l'or, on va faire pareil avec plusieurs minerais. Et donc on va mettre, donc là, ici, voilà. Donc hop, une poudre de fer avec un minerai de fer. Donc vous voyez, quand j'ai mis la disquette, c'est devenu ça a pris la gueule de ce que je veux crafter. Et donc ici, dans ce four, on va mettre l'autre qui, lui, donc, nous donne le lingot de fer. Et maintenant, si je vais dans mon interface, d'ailleurs, je peux même... ouais, ça, je peux le faire avec ça. Tac, tac, tac. Ah, pas assez de signal. Pas assez de signal. Toujours pas assez de signal, purée, il faut que... Ça se craft comment ça? Est-ce que c'est compliqué? De la redstone et du quartz. Allez hop, on va faire un booster de signal. Il me faut du fer. Mais on va déjà faire un booster de signal, de la redstone, du quartz. Donc, du fer. Merde, j'ai pas la redstone. Hop, redstone, voilà. Donc, du fer. De la redstone et du quartz, comme ça. Ok, hop. Bon, ça en fait déjà un. J'ai quelqu'un qui m'a dit qu'on peut en mettre plusieurs dedans. Donc, on en mettra plusieurs. Donc là, normalement, si je vais ici, si je vais par là, toujours pas de signal. Il se fout de moi. Pas de signal, pas de signal, pas de signal, pas de signal, pas de signal. Ah, c'est peut-être parce que comme je l'ai démonté. Eh tiens, on le relink, hein, donc je sais pas, hein, c'est peut-être, est-ce que c'est parce que je l'ai démonté que... Donc là, cette fois-ci, j'en ai. Donc vous vous souvenez, la dernière fois, j'en avais même pas ici, devant chez moi. Eh ben, j'en ai toujours pas devant la porte. Ah là 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 là. Et ici? Ici, j'en ai, bon. Alors du coup, là, vous voyez, donc ça apparaît, je suis désolé, je peux pas voir les écritures plus grandes ici. Mais j'ai donc deux choses qui sont apparues, des lingots de fer... Et de l'iron dust. Donc, et puis, donc du coup, je peux me crafter. Donc là, je vais juste marquer par exemple fer. Donc il me propose, voilà, parce qu'on peut faire en recherche. Il me dit que j'en ai pas, mais que c'est craftable. Donc je clique dessus. Et puis, combien j'en veux? Donc disons, je vais dire, allez hop, j'en veux 64. On peut taper un chiffre comme on veut, hein. Et là, je fais commencer. Et puis, du coup, j'ai la machine là qui s'est mise à faire tout seul. De la poudre de fer et qui ici se met tout seul à cuire mon fer. Et donc là maintenant je suis, quand on regarde, hop, le fer il commence à monter ici tout doucement, hop, tac. Vous voyez, le fer il monte et il va monter, il va m'en faire 64 exactement. Donc, et tant qu'il n'a pas les 64, comme il sait comment fabriquer le fer avec la poudre de fer, donc il me fait d'office la poudre de fer pour faire mes lingots de fer. Donc là, comme j'ai demandé un stack, normalement, je vais pas avoir de poudre de fer en plus, vu que il va vraiment bouffer toute la poudre de fer que j'aurais faite. Ah non, même pas. Eh, t'es allé trop là. Je t'ai demandé que 64. Pourquoi tu continues à me faire de l'iron dust? Eh, je t'ai juste demandé de me... Eh, oh, stop. Ah, c'est parce qu'il en a mis trop... Il en a peut-être mis trop dans la machine. Parce que c'est allé très vite. Bon, c'est pas grave, on va pas s'en plaindre, hein. Hop, si je regarde... Bon, il s'arrête à combien? Ah, pourquoi qu'il me... 62. Presque un stack complet. Bon, c'est pas grave. Mais vous avez vu que j'avais eu besoin de fer. Il m'a fait du fer.
Et puis, bon, du coup, j'ai de la grande dust avec, bon, c'est pas grave. Mais j'avais besoin de fer, il m'a fait le fer. Et donc, maintenant, en fait, ça, le but de cet épisode aujourd'hui, ce sera de faire. Là, on va faire plusieurs crafts, donc pour l'or et tout ça. Et le but, ce sera justement d'avoir une machine qui va regrouper encore tout ça et faire en plus des crafts normales. Donc, si on a besoin de crafter quelque chose. Tout le craft se fera automatiquement. Donc là maintenant, la prochaine étape, c'est justement donc de construire cette fameuse machine. Donc je vais faire aussi encore des disquettes donc pour l'or. Donc vous avez vu comment que se font les disquettes, c'est pas compliqué, mais je sens qu'il faut d'abord que j'aille faire une expédition dans le Nether pour rechercher de la glowstone. Et on va crafter ces éléments-là. Donc ici, une paroi de confinement d'assembleur. Des ventilateurs, des processeurs de craft et des fournisseurs de matière. Donc on va pas en faire une grosse. Ça, je vais en avoir besoin de 1, 2. Ça aussi de 2. Hein, je vais en faire une petite pour l'instant. 2, 2. Ça par contre, ça fera 2, 4, 6, 8. Wow, ça va faire un petit. Bon, c'est pas grave. Mais donc dans les crafts, là, j'ai besoin d'or et de fer. Donc ça va. Là j'ai besoin de fer, de barreaux de fer, donc ça va. Là j'ai besoin, ça j'en ai. Alors, comme j'en ai besoin que deux, donc ça va. De la poussière de l'huminite. Et là j'ai besoin, waouh! Là j'ai besoin de cellules de stockage. Il m'en reste deux. Peut-être avec la chance, ça me suffira. Il m'en reste deux. Et puis. Des matrices nouveaux, donc ça c'est bon, c'est faisable. Donc je prépare le matériel, je fais les crafts avec vous et on se retrouve tout à l'heure. Et nous revoilà. Donc bon, j'espère que j'ai vraiment pris tout ce qu'il me faut. De toute façon, sinon les trucs de base. Donc je suis allé dans le Nether pour chercher un peu de poussière, de l'huminite. Ah, de la poudre de glowstone. Voilà. J'en ai profité pour récupérer un peu de quartz. Donc ouais, là aussi, j'en ai encore. Donc du quartz aussi au passage et puis juste petite un nouveau petit truc que j'ai fait donc un petit coffre là pour mettre des trucs donc voilà parce que je sais jamais où mettre là-dedans je transvaserai quand je tue les monstres les trucs que je récupère que je veux pas forcément que ce soit là-dedans quoique le Netherrack et tout ça bon, peut-être que bon pour l'instant en fait je me suis fait un coffre avec une disquette. Donc le coffre, voilà, c'est un coffre émeu qui se craft comme ça avec, pardon, oula, j'ai quelque chose qui, ah, bon, qui se craft avec une matrice de conversion, un coffre, du fer, du verre, donc tout simplement. Et après on met une disquette. Donc vous pouvez mettre les disquettes. Donc là cette fois-ci j'en ai fait une 1K, donc une 1024. Donc, qui se craft tout simplement comme ça, une cellule de stockage de la redstone. Voilà, c'est même moins chiant à crafter que les 4K qu'on avait déjà fait. Voilà, où il faut un secteur de stockage plus gros qui lui utilise 3 cellules de stockage. Mais pour le petit peu, je vais mettre juste les loots des mobs là-dedans pour l'instant. Tous ceux que je rencontre, que je tape à l'épée et tout ça. Voilà. Donc, voilà, petite parenthèse. Donc nous allons essayer de crafter. Est-ce que je vais pouvoir crafter tout ça du premier coup? Est-ce que je me suis pas loupé? Donc on va faire des parois de confinement. Donc des parois de confinement. Donc du quartz, de l'or et du fer. Donc ah ben là du coup j'ai plus assez de fer, j'ai pas d'or. C'est pas grave. Donc justement j'ai profité pour faire justement hop ah ben si du hop lingot d'or. Donc vous voyez que j'ai mis hop en recette l'or. Qui est pareil, donc là si j'enlève, il est craftable. Donc j'en ai besoin. Là je vais me refaire juste. Allez, fais-moi du fer aussi, tout de suite. Je me suis fait aussi pour crafter le verre. Parce que des fois le verre, donc j'en ai besoin. Donc tout doucement, comme ça, je rajoute des choses, des crafts et tout ça, en fonction de ce que j'en ai besoin. Comme ça, par la suite, j'ai plus besoin d'aller me faire chier à courir, à faire. J'ai juste à dire, ok, tu craftes. Donc les parois de confinement. Donc c'est du quartz, de l'or et du fer. Donc quartz, il faut du fer, il faut le fer. Donne-moi déjà ça. Alors tac tac tac.
Donc le quartz, de l'or. Mais non. Hop, or et fer. Donc là, du coup, ça m'en fait 10. Je crois pas que 10 ça suffira. On va déjà justement mettre en place ces 10-là. Alors, j'avais décidé que je le voulais ici, dans le. Hop, la machine ici. Donc je vais en faire une petite, je vais pas en faire une grosse. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ouais, 10 ça suffira pas du tout. Hop. Ça suffira vraiment pas du tout. Donc il m'en faut encore 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ouais, beaucoup d'or, beaucoup de fer. Et beaucoup de quartz. Donc, on va déjà récupérer. Non, donne-moi tout. Hop. Tout le fer. L'or, j'en ai pas. Donc, allez, tu vas m'en faire. Allez, hop. Ça, et là, tu vas m'en faire pareil. 128. Allez, hop, on est fou. Donc, par contre, là, du coup. Que ça se passe comment? Il va falloir attendre un peu. Donc profitons-en pour faire, allez, disons les parois de ventilateur. Là, par contre, c'est pas compliqué. Là, ça va pas être. Il va m'en falloir une, deux, non, 4, 8, 12, 16, 24, 32, 32. Wow, quand même, ça rigole pas. Donc 32. Et par votre ventilo, se craft avec un câble, ça et du fer. Donc, j'ai pas mis quelque part déjà, si ça, mais j'en aurais pas assez. Donc, on va faire encore. Tac, il en faut 4 par. Pouh, ça fait beaucoup. Les câbles. Là, j'ai vraiment pas, je pensais, je me suis dit, ah, c'est bon, j'ai assez, ça va aller. Eh ben non. Le fer, le fer. Quoi? Tu m'as. Ah, il est en train de faire de l'or là. Non, c'est pas ça que je voulais. Orange. C'est un peu chiant là. Ouais, non, l'ordre de tri, pas par nombre. Je vais laisser par nom d'objet, c'est pas grave. Comme ça bouge pas quand je veux prendre. Hop. Fais-moi du fer. Allez, vas-y, vas-y. C'est quand même encore assez rapide, hein. Donc après, vous pouvez vous faire des trucs encore plus rapides, genre deux macérators avec deux fours. Là, je tourne avec un seul macérator, un seul four. C'est pas grave, mais bon, c'est déjà beaucoup plus facile que là. Vous me voyez même pas courir aller chercher. Je suis sur place et puis je suis en train de regarder monter. Donc voilà, donc ça c'est bon. Donc là, on va se faire. J'avais dit, il m'en fallait 32. Bah déjà avec 19 câbles, ça va pas être faisable. Ah, donc la poudre de flux, parce que j'ai tout bouffé du coup pour faire les 19 câbles. Il m'en reste que deux. Donc il me faut de la redstone, du quartz et du quartz. Donc redstone. Je crois que c'est pas ce quartz là qu'il faut. Il faut de la poudre de quartz. Et ça, il faut que je la passe dans le. Hop. Là, tu m'excuseras. Ah putain! Ah tiens, on va utiliser le pulvérisateur. Le pulvériseur, est-ce qu'il me. Tu me fais de la poudre de quartz? Oh, où tu me l'as envoyé? Ouais, poudre de quartz du Nether. Donc allez, tu vas m'utiliser le pulvérisateur. Il faudra que je vois si je peux relier aussi ces machines-là pour faire tout ce que j'ai. Quand j'ai besoin de moteurs électriques, de choses comme ça. Sinon, les crafts, il faut que je me les fasse à la main. Il faudra que je me fasse les trucs à chaque fois à la main. Hop. Allez, 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 allez. Ici, ça se passe comment? C'est. Parce que là, c'est. Non, ça descend même pas. Ah, j'ai nouveau pas coupé la machine. Ça se passe comment? Ouais, ça descend. D'accord, donc elle est allumée. Donc en bas pour éteindre, en haut pour allumer.
Adelaide. Ah, c'est pas rapide, c'est quoi, on peut pas les booster ceux-là. Je vais déjà, j'ai déjà pris, voilà, bah, j'ai déjà pris ce quartz là. On va déjà faire. Hop, poudre de flux. Donc c'est ça qui est chiant, donc avec ce mode. Mais une fois que c'est fait, une fois que vous l'avez fait, vous êtes tranquille. Hop. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. 28, allez, va chier. 40, voilà, comme ça. Il va pas nous embêter. Et donc là, hop, comme ça. Et ouais, il va juste m'en faire. Ouais, 31. Il m'en manque un peu. Oh. Alors, lui, toi. T'es toujours en train de bosser ou pas, non? Fais-moi du verre. Donc du verre, du verre. Fais-moi. Allez. Non, je sens que je vais en avoir besoin. Fais-moi en 64. Ah ouais, c'est pratique, j'ai besoin de verre, du coup je fais toc. Allez hop, fais-moi du verre. Donc là j'avais pas besoin de. Mais non. Hop, comme ça, voilà. Je vais déjà juste prendre ça, il continue à bosser. Hop, bah on va s'en faire encore un peu. Ouais, j'ai dit on va s'en faire encore un peu, j'ai pas pris assez de verre. Donc hop, moi c'est pas grave. Allez hop, 34. Donc j'avais dit il m'en fallait 32 quand même. Donc c'était ça avec. Pom pom pom. Et bien sûr, on n'aura pas les 32, on en aura 28. Même pas, 14. Hop, il va me falloir un peu plus de barreaux, un peu plus de fer. Du fer. Hop, merci. Hop. Craft-moi-en tout de suite. Ouais, 64. De l'or aussi. 64, histoire d'en avoir. Tac-tac-tac. Donc des barreaux. Donc il fallait un peu plus de barreaux. Hop. Voilà. Du fer, c'est bon. Donc là, j'en ai 14. 14. 14, 14. 14 plus 16, ça fait 30, 30, 31, 32. Voilà. Et donc là, tac, 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 tac. Ah, bien sûr, toujours pas assez. Il en manque juste deux. Ça bouffe, hein? Ça consomme, hein? Ça consomme, hein, en fer, hein? Il est où câble? Hop, il m'en manque juste deux. Allez hop, ça. Un. Deux. Allez. Voilà. Deux. C'est déjà bon. Sans oublier qu'on n'a toujours pas. Fou, il faut. Donc les autres là, c'était ça. C'était quartz, de l'or. Et du fer, donc donc allez mon gars, production d'or, tac tac, waouh, voilà, là de l'or j'en ai beaucoup, hein. Fais-moi production de fer, et il me faut du quartz, j'ai déjà bouffé tout le quartz de Certus, ah, waouh, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, là j'en ai plus, ouais, il va falloir une carrière nouveau. Carrière pour combler ça. Donc, les calculs, combien il m'en faut? Donc, là j'en ai déjà 10. Donc ils m'ont. Ah non, non, dégage-toi. Dégage, dégage. Mon épée, mon épée, mon épée, mon épée. Alors, 10, 11, 12. Donc déjà 12 rien que pour au-dessus. 12, 13, 14 avec les deux là qui manquent. 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30. 19, 20, pourquoi je passe à 30? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 21, 22, 22. Donc, 22, comme ça, hop.
Ouais, j'aurais pu faire ça autrement. Surtout que voilà. 1, 2, 3. Voilà, donc 22 quartz. Ça bouffe le quartz, hein. De l'or. Donc après l'or. Oh purée. Tac, tac, tac. 22, tout coup, tout juste. Et là, j'en aurais pas 22. Voilà, donc ça m'en fait 14. Et. Hop. Donc le fer. Tac. Hop, 14. Purée, pourquoi j'ai fait ça? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Voilà. Hop, tac, tac, tac. Et tac, tac, tac. Voilà, donc normalement, ça devrait être bon. On va juste vérifier que on est ce qu'il faut. Tac, 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 et hop, 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 hop. Non. Ça, hop, 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 et tout juste. C'est bon, pour l'instant, pas trompé. Donc là, pour l'instant, on va aussi tout de suite fermer ça, ça, comme ça, tac, 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 tac. Donc ça, c'est les ventilateurs, c'est pour refroidir, c'est un méga ordinateur. Donc il m'en reste, pourquoi il m'en reste 12? Waouh, mais comment que j'ai calculé? Eh oh, 4, 8, 12, 16, 16, 20, 24. J'ai calculé 32. Non. Voilà, c'est pas grave. Donc j'ai 12 ventilateurs de trop, c'est pas grave. Un jour j'en aurai besoin quand je ferai l'extension. Donc là maintenant je veux, il me faut juste encore 1 2 3 4 5 6 7 8 8 choses, donc qui sont donc 4 processeurs de craft et 4 fournisseurs de matière. Donc processeur de craft, donc bah ça c'est bon. Celui-là, c'est pas le plus chiant. Et là, j'aurais pas assez parce que j'avais compté que 2 au lieu de 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, ça, il faut que j'en refasse. C'est pas compliqué à faire. Qu'est-ce que je voulais? 4 comme ça, de l'or, du fer, c'est bon. Donc, hop. L'or, c'est il va là, je crois. Oh. Tac. Le fer. Ici, non. Processeur de craft. Ouais, c'est du fer, de la pompe. Je suis loin du craft. Hein. Je suis vraiment loin du craft. Hop. Donc le fer, c'était bon. Il faut de la poudre de glowstone. Et oh. Alors maintenant, je l'ai mis où la poudre de glow? Voilà, ici. Glowstone, du quartz. Et c'est bon. Donc, processeur ici. Poudre de glowstone, quartz et fer. Voilà. Donc normalement, voilà, ça m'en fait 4. Ok. Et maintenant, il nous faut les fournisseurs de matière. Donc des tables de craft. Là, pourquoi j'en ai prévu que pour 2. Donc 2, 4. Bah, il en faut 6, 8. Donc là, j'en ai 4. Hop. Alors, c'est ça. Ok. Donc il m'en faut 1, 2, 3, 4 encore. Il me faut de la poudre du flux, c'est bon. Du quartz comme ça et du quartz comme ça, c'est bon. Alors, hop, comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et mais tout juste 4. Voilà. Ça, c'est fait. Et maintenant l'autre... Ah, reviens là. Voilà, ça c'est du quartz et de la redstone. Ça devient. Alors, je crois qu'il m'en faut juste 2 de plus. Hein. Il m'en faut juste 2 de plus. Alors, ça. Du quartz, du quartz, du quartz. Ça y est, maintenant je sais plus. C'était comme ça. On va juste voir. Ouais, c'était bien comme ça. Donc hop, un deuxième. Et
Hop, un deuxième. Voilà. Donc maintenant tu vas plus m'embêter. Donc là maintenant c'est le diamant, les quêtes comme ça, les tables de craft bien sûr. J'en ai fait que deux. Bah oui, je sais pas pourquoi, j'ai mal calculé. Deux. Hop, donne-moi du bois. Hop. Et tout ça par la suite, c'est hop, un, deux. C'est le genre de truc qu'on se fera plus chier à construire quand tout sera automatisé. Donc voilà. Donc, bah oui, mais si je prends pas tout, oh là là. Alors ça. Les processeurs en diamant. 1, 2, 3, 4. Je suis même plus sûr de combien il me reste de diamants. Et puis, ça. Ok. Donc là, les deux là en plus. Voilà. Donc, ça. Ça y est, pourquoi j'ai l'impression qu'il manque déjà quelque chose? Il manque du fer. C'est ça, hein? Il manque du fer, oui. Vous voyez, le coffre, ça se revide tout doucement, la force que j'utilise. Donc du fer, hop. Ah, tiens, 64, ça me suffira. Vous voyez, les couleurs, elles diminuent. Les cellules se vident tout doucement. Alors, hop. Ça, table de craft, hop, ça, et le fer, boum, voilà, tac, 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 tac. Personnellement, 4, on n'est pas obligé, mais plus on aura de ceci, de fournisseurs de matière, plus de craft on pourra faire. Donc vous voyez, un fournisseur de matière, toutes les recettes qu'on peut avoir. Donc moi je vais prévoir qu'on puisse en avoir beaucoup. Donc ça fera 4 fois ce stockage. Et puis ici processeur de craft. Donc non, et oh, qu'est-ce que tu me fais là? Pourquoi tu m'as mis ça? Voilà. Et processeur de craft, c'est ce qui va permettre de crafter plus rapidement parce que ça peut faire plusieurs crafts en même temps, je pense. Je crois que c'est ça l'explication, c'est qu'un processeur de craft permet de faire un craft à la fois. Donc si j'en ai 4, je peux faire 4 crafts à la fois. Donc c'est-à-dire si je demande 64 objets, ça va aller 4 fois plus vite que si j'ai un seul processeur de craft. D'ailleurs, je sais même pas si ça, on peut faire un simple petit cube tout petit avec juste un truc comme ça dedans, un truc comme ça. Mais bon, c'est pas grave, maintenant on a le grand. Et il nous faut les ventilateurs pour fermer ça. Donc voilà, j'ai fait beaucoup, j'ai fait trop de ventilateurs, purée. Et donc, hop, hop. Et si ça a bien marché, quand je vais mettre le dernier cube, tout ceci va se relier. Boum, voilà. Et ça nous fait une bonne machine. Et quand on clique droit dessus, donc vous voyez, donc j'ai une chambre d'assemblement nucléaire. Waouh, je savais pas que ça s'appelait comme ça. Donc là, vous voyez que j'ai 4 pages, donc vu que j'ai mis 4 fournisseurs de matière. Donc on peut quand même mettre beaucoup de recettes. Et donc bah, pour vous montrer le truc par exemple, c'est que je vais faire justement. Bon, déjà il faut relier. Il faut relier ceci. Il n'y a pas le choix. Et il faut nouveau des câbles ME. Ah bah tiens, on va regarder. On va prendre une disquette vide. Est-ce que j'en ai encore? Ouais, j'ai une disquette vierge. Pour faire nos câbles ME. Il nous faut donc la poudre de Fluix et du verre. Donc vous voyez, ça ne me décompte pas le matériel vu que c'est juste un pattern, c'est juste quelque chose qu'on met. Et ça nous en donne 3. Là, je prends ma disquette et je l'encode. Tac. Donc voilà, donc là j'ai mon modèle que je vais maintenant dans cette machine, je mets dedans. Donc du coup, tac, ça fait que je peux faire... j'ai le craft pour faire les câbles. Gros problème, c'est que là je suis justement pas relié. Donc il va falloir que je m'en fasse. Ah, je voulais vous dire, ah bah tiens, regardez, grâce à ça je vais pouvoir faire les câbles pour relier la machine, mais la machine n'étant pas reliée, je peux pas me faire les câbles pour la relier. Donc la poudre de flux, je l'ai, du verre. Du verre, merci, il y en a encore. Donc hop, on va en faire juste. 1, 2, 3, 4.
Et pareil, donc du coup, regarde, donc là, on va relier. Avec la deuxième disquette qui reste, je l'ai pas pris. Non, bien sûr. La deuxième disquette qui reste, on va lui dire aussi tout de suite, par exemple, hop, ça, tu m'enlèves. Pour faire la poudre de flux, donc il me faut un comme ça, et j'ai plus de... non, c'était là-bas que j'étais. Là, hop. Alors, hop. Là, il en faut pas trois, il en faut juste un. Et hop. Et donc, vous voyez, donc le craft, hein, quand c'est des crafts qu'il connaît, il les monte tout seul. Hein. Quand c'est les crafts automatiques qu'on fait avec la table de craft, ça se fait tout seul. Donc, et hop, et donc on encode, hop, encodé, voilà. Donc comme ça, il sait déjà aussi comment faire la poudre de flux. Donc pareil, on va mettre la disquette dedans. On va relier la machine. Donc là, on va passer par derrière. Hop. On va se relier sur. Bah normalement, j'ai pas trop de. Je peux me mettre ici sans problème. Oh, là, je suis passé trop près d'un portail. Toujours pas assez de câble. Mais pourquoi que tu m'as fait ça? Bon, et toi, tu vas pas juste m'embêter. Voilà. Alors ça, c'est un cadeau. Je me le suis pas crafté, c'est quelqu'un qui me l'a offert. Et est-ce qu'il a crafté ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, si vous vous posez des questions, non, je l'ai pas crafté, mais on me l'a donné. Donc j'ai accepté. Hop, et tatatatata. Donc il me fallait nouveau encore des tuyaux. Des tuyaux, des. Hop. Des câbles. Voilà. Bon, je ferai, bien sûr, j'aménagerai ça beaucoup mieux par la suite. Boum! Et là, par contre, alors combien que ça utilise d'énergie? 37 unités particules maintenant. Donc voilà. Et donc là, maintenant que je suis là-dedans, donc quand je fais comme ça, donc si je voulais les câbles ME, donc non, ça s'écrit pas câble, s'écrit comment? Ah, bien sûr. Câble, comme ça. Donc vous voyez que je peux les crafter maintenant. Et donc maintenant comme c'est relié, si je fais dessus et je dis allez hop fais-moi-en 10, hop, et il va me faire 10 crafts. Et bien sûr, il a pas ce qu'il faut. Parce que alors, le craft n'étant pas complet, donc là après c'est ça justement, c'est. Donc parce que je lui dis donc la poudre de flux, comment la faire, mais il faut de la poudre de quartz, la poudre de quartz de Certus et la redstone. Donc la redstone, je crois, c'est le seul truc qu'il a. Mais il sait pas faire la poudre de quartz ni la poudre de quartz du Nether. Donc pour ça, il faut lui apprendre les crafts nouveaux. Donc en faisant, donc tiens, on peut pas se faire. Fais-moi le craft. Allez, les disquettes vierges là, les disquettes vierges, ça se crafte comment? Stockage. Non, les modèles vierges. Donc du quartz, de la poussière, de la poudre de luminite, du verre et du fer. Donc, du quartz. Non, c'est ce quartz-là. La poudre de luminite. Du fer. Et du verre. Donc voilà, ça. Et bien sûr, pour l'encoder, il faudrait que je le crafte une première fois. Donc, du quartz. La poudre de luminite. Du verre. Et. Du fer. Ah, comme ça, déjà, j'aurai au moins le craft pour me faire les disquettes. Donc voilà, j'encode. Ok. Je vais mettre dans la machine. Ok. Et là, bien sûr, ce qu'il faut, c'est donc faut être sûr que donc qu'il ait les ressources. Bon là, on peut mettre hop, ça.
On peut tout ranger. Maintenant, tout ceci va servir. Il faudra tout ranger là-dedans. Et donc là, maintenant, tu peux m'en crafter. Ben, je vais te demander juste de m'en crafter 4. Et puis, logiquement, voilà. Vous voyez, 4 direct. Ça a été direct. Il me les a craftés directement. Là, par contre, parce que je lui ai donné le craft. Parce qu'il avait le matériel. Donc maintenant, on va faire juste. Parce que c'était quoi que je voulais crafter devant vous encore? Des câbles ME. Donc les câbles ME. Il lui fallait, il faut qu'il crafte de la poudre comme ça, et pour crafter la poudre comme ça, il faut qu'il sache faire ces deux poudres-là. Donc pareil, on va faire comme ça. Donc par contre, il faut que je prenne justement au moins une de chaque. Donc hop, hop, et du quartz, et du quartz. La redstone, ça, il n'y a pas besoin de la fabriquer. Donc un comme ça. Donne un comme ça. Et ça le donne où? Dans le macérator. Donc voilà. Après, un comme ça, donne un comme ça. Pareil, on encode. Hop, dans le macérator. Donc maintenant, on peut aller mettre ça dans le macérator. Et ce qui fait que maintenant, comme il sait faire la poudre de flux, de frix, de... Hop, hop, purée, bientôt j'aurai plus de place. C'est pour ça qu'il faudra peut-être une deuxième machine, je sais pas, ou je sais pas si on peut upgrader ça. Hop. Et là maintenant, maintenant je peux lui dire de me faire des câbles. Donc des câbles, bon, allez hop. Tant qu'il y en a, il me demande pas de crafter. Quoique, si je demande juste les crafts. Ouais, si je demande juste les crafts, ok. Et là maintenant, je peux lui dire, fais-moi-en 10. Hop, et je commence. Et puis maintenant. Et toujours pas. Toujours. Ah si, parce qu'il doit se crafter certainement de la poudre de flux. Ah, je lui ai pas dit comment faire la poudre de flux. Donc redstone. Un peu de redstone, un peu de redstone. Hop. Faut que je lui fasse le craft de la poudre de flux aussi. Non, c'est pas ça. Une disquette là-dedans. Donc la poudre de flux, c'était ça. Ben si, je lui ai dit comment faire. Il sait comment la faire. Oh problème. Alors, 3 câbles ME, c'est 6 verres, 3 poudres de flux. Une poudre de quartz de Certus avec. Alors, 2 poudres de flux et une poudre de quartz de Certus, une poudre de quartz de laser et une redstone. Ok. Et 3 poussières de luminite, encore. Bon, ça c'est le modèle ME, ça on l'a vu qu'il fonctionnait. Donc là, pourquoi qu'il ne le. Pourquoi qu'il n'arrive pas à me faire des câbles? Parce qu'il a. Il sait faire ça, il sait faire ça. Ah, mais je crois que je lui ai enlevé tout le. Il a pas de. Il a pas de quartz. Donc là, du coup, hop, il est parti. Il est en train de me les faire, du coup. On était à 12, là je suis à 15. J'ai vu qu'il m'a fait de la poudre de flux. Ah, vous voyez, là je suis monté à 18, je crois. Si je vois bien. Donc maintenant, il sait le faire. Donc ça prend un peu de temps parce qu'il doit se faire ses poudres. Voilà, 21. Donc voilà, ça y est, ça marche. Donc il faut avoir bien sûr donc tous les ingrédients qu'il faut et ainsi de suite. Donc après niveau craft, vous pouvez faire de tout, hein. Donc disons. Là, je veux ma pierre là. Je veux pas me faire chier avec ça. Donc on va faire pareil. Donc pour avoir une comme ça, il faut bien sûr partir de ça. Donc je vais en faire deux. Et pareil, il faut se faire toutes les étapes de craft. Donc, une cobble va me servir. Non, c'est pas ça que je veux. Arrête tes conneries. Une cobble, quand on la cuit, donne une pierre lisse. Et c'est parti directement dans la machine. Pierre lisse, maintenant. Allez, tu dois l'avoir quelque part, ok. Donc là, on peut faire donc une cobble donne une pierre lisse passée dans le four. Hop, voilà.
Ensuite, 4 pierres lisses donnent 4 pierres taillées, encodées. Voilà. Donc là, on va mettre ici là-dedans. Donc, les 4 pierres taillées. Voilà. Et bien sûr, il faut rajouter dans celui du four la façon d'obtenir la pierre lisse. Donc, il est où? Voilà. Et comme ça, maintenant, si je veux de la pierre taillée, donc là, hop, on va mettre juste pour les crafts. Je crois qu'il y a moyen d'avoir juste un terminal pour les crafts. Allez, avant de se quitter, ça va peut-être être long, mais c'est là, pareil, c'est juste une déduction que je me suis fait parce que j'ai vu qu'il y a un truc qui s'appelle terminal de craft, moniteur de craft. Donc il me faut. En plus, il n'est pas compliqué. Il n'est pas compliqué à faire. Donc, un comme ça, pas compliqué, j'ai déjà oublié le craft. Moniteur de craft, donc du verre, ça, un câble et du fer. Câble, c'est bon. Le fer, hop, donne-moi du fer. Donc, ceci, ah, du verre. Du verre, il y en a plus. Gratte-moi-en, vite fait. Deux, trois, c'est bon. Voilà. Donc c'est un petit temps de. Pour tout ce qui doit être cuit et tout ça, c'est un petit temps de réponse parce qu'il faut que ça passe au four, hein. Vous vous en doutez, mais c'est déjà plus rapide que si je courais dans tous les sens. Donc le fer, voilà. Là, il faut juste remplacer ça par ça. Et le processeur. Donc c'est moniteur de craft, hein. Donc là c'est un test, hein. C'est juste par déduction, je pense que. Donc si je le mets par-dessus. En cours de craft, moniteur de craft ME, matériau manquant. D'accord, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Terminal de craft. Ok, moniteur, terminal de craft. Donc lui c'est une comme ça, table de craft, un terminal d'accès. Du verre. Donc bon, allez, hop. Terminal d'accès, il se fait comment? Ah, il faut que je recrafte tout ça. Il faut que je recrafte tout ça. Bon, vous savez quoi? Là, je vais pas vous retenir plus longtemps. Je vais faire la coupure pour faire le terminal de craft et on se retrouve juste tout de suite pour voir si c'est bien ce que je voulais. Allez, à tout de suite. Donc voilà, donc j'ai posé le terminal de craft et puis ce n'est pas exactement ce que j'aurais voulu. Parce que je veux dire là quand je mets donc là bon je peux accéder directement au craft mais en fait c'est cette partie-là peut-être je sais pas vraiment c'est je sais pas là c'est ce qu'on voit déjà ce qu'on a dans nos coffres après c'est peut-être pour prendre directement de ici et poser et puis faire crafter des choses voilà sinon bon j'ai vu que quand on a les crafts de dispo on peut lui dire de les crafter donc ça c'est pas un souci. Mais j'aurais pensé que ça nous montre juste les trucs de craft. Ici, cette machine, c'est pas mal. Finalement, j'ai vu en faisant un test. Alors, je sais pas si ça va le refaire. Est-ce que j'ai du quartz de Certus ou pas? Il m'en reste pas beaucoup. Donc, je vais l'enlever, par exemple. Et là, je vais lui demander de me crafter. Hop, ils ont. Allez, une disquette. Et je lui dis de commencer. Et donc là, hop. Il commence à faire ce qu'il faut en craft pour fabriquer une disquette. Pourquoi c'est marqué 2? Mais là, du coup, la disquette va pas se crafter parce qu'il manque le quartz de Certus, justement. Donc, et tant qu'il manque le quartz de Certus, donc ici ça bougera pas, la machine ne fera pas de craft. Et si ça se trouve, si je lui demande un autre craft, peut-être elle sera bloquée. Je sais même pas si elle continuera à crafter les autres choses que je lui demande derrière. Donc, on va juste faire un test. Si je lui demande maintenant de me crafter ça, allez, une dizaine de pierres en plus. Non, ça, c'est bon, il arrive à me le faire. Ok. Et là, je peux venir sur précédent. Ok, suivant. Donc, non, c'est bon, il arrive à faire les différents crafts. Mais là, il est bloqué parce qu'il manque le quartz de Certus. Et puis, donc il suffit pour le débloquer de lui mettre la matière manquante. Et puis, là, maintenant, hop, il peut le faire. Donc, vous voyez que pour continuer, hop. Ah, bah là, il va manquer de la poussière de luminite. Ça, par contre, du coup, est-ce que j'en ai sur moi? Non, là, j'en ai plus. Est-ce que. Bon, ça va, t'as la chance. Et là, je vais tout foutre maintenant. Je vais tout foutre. Hop, je vais tout foutre là-bas.
Ça sert plus. Donc vous voyez, donc c'est bien, c'est des fois, quand on voit que les choses se craftent pas, le moniteur de craft permet de voir, ah bah tiens, ça crafte pas parce qu'il manque ça. Et j'ai pas d'autres crafts en cours. Et donc là, bon maintenant il suffit de rajouter. Hop, maintenant je vais tout mettre dedans. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Hop, comme ça. Il y a tout qui sera stocké là-bas. Bon, le poulet, pas pour l'instant. Donc là, maintenant, il a réussi à me les crafter. Et donc, en disquette, maintenant, je suis pareil. Hein, là, maintenant, c'est un. Comment que ça s'appelle? Un modèle. Voilà. Voilà, modèle. Donc, non, les objets. Bon, j'en ai 12 parce que j'ai fait le test avant, justement. Hein, avant de vous montrer, du coup. Hop. Et c'est là que j'ai vu que, justement, le moniteur de craft permet de voir qu'est-ce qui manque quand le craft ne se fait pas. Donc voilà, donc allez, c'est fini pour aujourd'hui. Je sens que l'épisode sera long. Je suis désolé, mais avec Feed the Beast, c'est voilà, c'est comme ça. Donc et puis je sais aussi que des fois je parle beaucoup. Donc voilà. Donc merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que mes explications auront été claires pour vous, que vous auriez bien, que vous avez bien compris tout le système. Du craft auto, du coup, du craft automatique. Oula, j'ai des drôles de trucs. Donc, vous avez bien compris tout le système du craft automatique. J'espère avoir été bien clair sur les explications maintenant. N'oubliez surtout pas que, justement, pour crafter un objet, il faut que vous ayez tous les crafts de base. Donc, vous ne pourrez pas crafter l'objet si la machine, avant de pouvoir crafter l'objet, doit crafter d'autres objets et que vous n'ayez pas enregistré les crafts. Hein. Donc, c'est quelque chose qui vous prendra à chaque fois. Dès que vous allez, disons, vous craftez un escalier, faites le craft, enregistrez-le dans la machine. Comme ça, par la suite, vous aurez toujours besoin, à un moment donné ou à un autre, de repartir sur ces crafts-là. Donc, ça vous fera gagner du temps, mais beaucoup de temps. Donc voilà. Donc merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. Tous les commentaires sont bons à prendre, hein, du moment que c'est des bons commentaires. Je parle des bons commentaires, je veux dire, même si c'est une critique, du moment que la critique est bonne, que la critique, comment dire, que c'est une critique, pas. Voilà, je suis en train de parler nouveau pour rien. Ouais, ça, vous pouvez le mettre en critique. Hey, Atland, tu parles trop. Voilà, ça c'est une bonne critique. C'est quelque chose qui peut me permettre. De toute façon, je sais que je parle trop et je parlerai toujours trop parce que ça, j'essaye de le corriger depuis des années. Donc voilà, vous voyez, je parle trop. Mais donc voilà, donc vous avez compris, hein. N'hésitez pas à mettre en commentaire. Toutes les critiques sont bonnes à prendre du moment qu'elles sont constructives, voilà, et que c'est pas juste pour rager ou insulter, et ainsi de suite. Donc voilà, donc n'hésitez pas à partager aussi, hein, c'est en partageant qu'on fait connaître les gens. Donc moi je suis déjà content d'avoir dépassé les 200 abonnés. Donc ça me fait déjà plaisir. En un an, bon, je suis à 200 abonnés au bout d'un an, mais c'est pas grave. Hein. Moi je le pourrais. Là, je le fais pour. C'est toujours par plaisir que je fais ces vidéos, donc voilà. Mais je suis bien content déjà d'avoir 200 abonnés, que vous me suivez, ainsi de suite. Donc voilà. Donc merci, et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.